Eh bien, le bonjour à tous Twitch, on se retrouve sur Genshin Impact comme tous les mardis ces temps-ci. Donc là, on est AR32 et il y a un petit événement depuis hier, il nous semble, si je dis pas de conneries, par rapport à des météorites qui sont tombées en fait sur l'IU. Voilà, peut-être je cherchais mon stade et tout. Et du coup, en fait. Ils ont rajouté des petites quêtes et on peut gagner Firsh. Juste ici, objet de déblocage de personnage. Franchement, ça peut être vraiment pas mal à faire, les gars. Mais c'est très limité. Je crois que ça s'arrête le 22 ou un truc comme ça, si je dis pas de conneries. Ça va durer dans 12 jours. Donc, dépêchez-vous de le faire. Donc là, on va faire ça de suite. Donc, la petite quête, ça, c'est bloqué. Disponible dans 18 heures. Vous voyez, 5 jours. Ça, c'est le petit dernier truc. Donc, qu'est-ce que nous avons là? Cette petite quête. Oh shit, merde. Voilà. Alors, comment on fait nouveau? Je regarde comment je faisais. Déjà, on va récupérer notre petit truc. Des primogènes, ça c'est plutôt petit, pas mal ça. On va pouvoir invoquer après là. Petit détail de l'événement. Les quêtes. Ah ouais, ça j'avais déjà fait. Shit. Terminer la quête relative à la partie astre prédestinée de l'événement. Astre prédestiné, ah ouais, mais c'est tous les. Localisation. On va aller par là. Allez, on va faire ça. C'est parti, les amis. Après, on fera les petites quêtes quotidiennes aussi, là, parce que ça va nous rapporter pas mal de. Le truc, peut-être qu'on passera à R33 aujourd'hui. J'espère. Alors. Vous voyez là les petits cercles bleus là. En fait, c'est des petites météorites là qui sont tombées. Et à chaque fois, il y a généralement toujours un petit bout de Cocolignus là qui arrive là. Il y a toujours un ou deux qui sont devant. Vous voyez, c'est juste ça. Vous voyez, les fragments de météorites. Et à chaque fois qu'on se rapproche, vous voyez le pouvoir. Hop, nickel. À chaque fois, on a l'œil qui brille en fait. C'est des conneries aujourd'hui. C'est parce que je joue à Ghost et Genshin en même temps. Ah bah il est juste en haut là-bas. Trouvé. L'œil divin. Vous voyez, l'œil divin à chaque fois il brille. Et je trouvais pas avant le. Du coup ça nous permet de le repérer assez facilement je trouve. À côté là, parfait. On a pas besoin de faire un milliard de routes là. Je me sens bien qu'il doit être en haut. Non, même pas. Je le vois pas. Où est-ce qu'il peut bien être? Il brillait pas tout à l'heure. Hein. Ah, franchement, je sais pas où il peut être. Déjà, on a trouvé un trésor. Un peu de type pas mal. Pas ordinaire là. Ah, il est là-bas, je crois. Ok, 3 sur 4. Oui, c'est assez rapide à faire quand même. Ah, il y a un truc. Je sais pas si c'est une fée ou un animoculus là. Très important à faire, ça aussi. Je pense qu'il est dans la.
dans la maison ou sur la maison. Là-bas, il est dans l'arbre, le truc. Ah, yes. Ça, c'est bon. Il est trop pratique, Venti. Je sais pas si on continue par là. Il y avait un là-bas, là. Vers le sud. De météorite. On va continuer par là. Ah, bon, il y en a un. Il y en a deux même. Alors, par contre, je pense qu'à mon avis, il est dans la montagne. C'est quoi ça? C'est des montagnes. Alors, c'est le feu là. Alors là, on explore, on fait l'événement et en plus, on découvre des anémoculus. C'est que tout bénéf. J'ai pas le son, je suis en cours. Mime. Alors là, on est dans. Non, t'inquiète. Ah ouais, c'est la merde là. Au pain. C'est la hesse. Je vais pas tirer tout le long parce que sinon, on y arrive. C'est le feu, ça. Je suis en perme. Oh, pinaise, oh. Reste sage, oh. Tu regarderas le replay, mon mec. Ah, là-bas, il y a la petite... La petite météorite, encore une fois. Yeah, man. Allez, plus que un. On va aller au plus simple. Je pense que c'est celui-là qui est là-bas, là. On tombe pile poil dessus, mais... Pas génial, ça. Étoile du cap terminée. Donc, du coup, il nous reste... Présentation d'événement. Tac. Ok, ça c'est bon. Ça c'est le feu là. Ah mais là pour les primogèmes là c'est l'éclatade. On va aller là. Tu me connais? Bah oui mec. Et oui mec. C'est le feu, c'est le feu. Si tu lèves ce soir, je termine à 5h. Et non, malheureusement. Il n'y a pas de live, les amis. Ah, mais je tombe pile poil dessus ou quoi là? Je me dis pas qu'il est juste là. Voilà, ça aurait été trop beau. Il est où? C'est fou. Ah voilà. Je le savais. En mode déprime. Aussi on arrive à... même un monstre là pour être de type pas mal. Oh là bas c'est pas des monstres ça là.
What the... Ok, on va le tenter. Ok, fallait pas le tenter. Là, on est tombé sur un truc par contre. Je te laisse. Ça marche, mec. À bientôt. Mais il y a un petit animoculus là, des familles. Ça, ça fait plaisir. Quand on explore là, on trouve des animoculus là. Surtout quand t'es en mission. Merci mec. Merci mec. À bientôt. Est-ce que je le tente comme ça ou pas? Ici, c'est un peu risqué. On manquera de la hauteur. Donc je vais aller là. Et on va récupérer ça. Hein. C'est trop important ça. Voilà. Je crois qu'on est plutôt pas mal. Tiens, mais quel calcul! Ouh, ça manque un peu. Non. Oh putain, on l'a eu. Oh putain, mais il y a des fées et tout. C'est génial ça. Vous êtes pire là, mais non, c'est pas possible. Arrivons de là. Il est riboche. Allez, donne-moi un petit... un signe du pierre là. J'adore ce petit combo avec quand même là. Pas pour le spectre. Ça c'est le top. Elle va où? Ok. Déjà, elle est restée sur place là. Oh monsieur Orgalex, je suis en perte donc j'entends pas ce que tu dis. Mais je parle tranquille. Oh, tu le fais à la même que Payne. Il est venu là il y a 2 secondes. Il m'a dit pareil, il est en perte. Y a pas de problème. Ok, ça c'est bon. Fais là, hop. Je me suis péché dans le vin. Ah ouais, mais c'est le feu ça. C'est le feu mon Orgalex. Allez, ça c'est good. La petite épée qui fait plaisir. Maintenant, faut que je trouve les météorites. Oh là, il y a un truc là. Ça, ça peut être pas mal aussi. Non? Ok. Si tu veux que je vois ce que tu dis, il faut que tu écris dans le chat. Ouais, bah comme Payne tout à l'heure. Comme Payne tout à l'heure. Mais c'est chaud, mec. C'est vraiment chaud. Du coup, on revient à notre petite mission là. Ouais, juste avant toi, il est venu. Je l'ai raté 2 secondes.
Même une minute. Ils sont. Je suis sûr qu'il est en haut là. Horrible, horrible le truc. Je suis sûr qu'il est en haut. Je le fais. Mal. Ça va être chaud là. Allez, allez. Oui, monsieur, oui. Je dis oui. Il part comme, si j'étais la peste. Eh oui, mec. Allez, là, ça tombe plus. Là, vraiment, t'as... putain, si c'est pas en haut, je meurs. Toute cette escalade pour rien. Imaginez l'effort de Venti là. Tendu là. Oui, c'est là. Yes. 1 sur 7 par contre. Oh putain, mais là-bas il y a un animoculus aussi. Là faut m'expliquer comment on fait. Bon, déjà, je vais récupérer ce. Un peu court là. Ça va être tendu. Est-ce que je vais pouvoir le récupérer ou pas? Oui, ça l'a pris. C'est génial. En fait, ils le mettent là, les trucs de météorites. Ils les mettent en dessous de tous les, au-dessus de tous les rochers. Ouais. C'est vraiment des enfoirés. Et là, je suis sûr, ils en ont mis un en haut de l'arbre. C'est presque sûr. Sûr, ça. Ah ouais. Je la sens bien là, bien en haut. Donc, je regardais au cas où par terre, mais bah, du coup, ça avance sur Genshin. Bien évidemment, mec. Comme d'hab. Comme d'hab, Jimmy. Comme d'hab. Regardez le sol. Ouais. On va monter. De toute façon, c'est en haut, c'est sûr. Là, apparemment, cet arbre, ça va être un dragon ou un truc comme ça. Apparemment, c'est une divinité aussi. Alors. Escalader le petit Venti. Voilà, putain, c'était sûr ça. Et là-bas. Ouais, non, là-bas il n'y a pas de tour. Là. Alors, ah, mais il y a un petit défi et tout là-bas. Ah, et il y a une vue. Un truc de vue là. Je sais pas ce que c'est ça. Ils ont rajouté ça dans le dans la mise à jour du 1.1. J'ai trouvé ton frère lui aussi des chauves, mais lui c'est pour il se rase le crâne. Un sub goal. Yeah man. Panorama. Ah voilà, c'est ça le panorama. Il est... T'es à fond sur les chauves, mon cher Morgan. Fort les chauves. Allez, on va voir si on arrive là. J'avais pas réussi. Ah là, ça va être chaud. Il faut que j'ai toutes les attaques.
C'est chaud. Je comprends pourquoi j'avais échoué. Oh putain. Allez, vas-y. Ah ouf. Putain, ils m'ont gelé. On va attendre qu'on ait tous les, toutes les attaques. De là, franchement. Oh, c'est trop chaud. Là, c'est quoi, 30 secondes? Il y a la Baidu. Ah, la Baidu, là. Ouais, 30 secondes. Par contre, faut faire un truc élémentaire. Ça finira pas. Donc, j'arrive à en tuer un. Il m'en manque un. Allez, une fois que j'ai le pouvoir de Beidou là, ça va aller. Absolument son pouvoir. Ouais, nickel. Pour le prochain, normalement, là on devrait faire carnage. Ok. Let's go, les amis. Là on est prêt. Là on va tout casser. On va commencer, je pense, le petit Venti. Le Juju. Ouais, on va faire ça. Et là, oh putain, oh je l'ai, oh là là, c'était chaud là, de ouf là. Ouh, putain. Oh, c'était sur le fil du rasoir là. Mal. Mamma mia. Hop, allez, on continue. Ça, c'était magnifique ça. Ça, je pensais pas l'avoir. Pourquoi pas de suite? Ah bah bien sûr, bien évidemment, lui il est en haut. Oh, excellent. Du coup elle est où hein? Et re mon cher warrior. T'as raté un truc? Putain, j'ai fait un truc de malade. Oh mais il cherche la merde. Le 6ème mois. Waouh, putain. T'as pas ce livre hein, quand même. Déboîte. Ah maman. Déjà mec. Ça fait longtemps. Ça passe vite.
Ça, ça passe vite de ouf, hein, franchement, quand tu regardes. Ok, tu veux jouer à ça? Un coffre, les gars, laissez-moi prendre le coffre. Ça va pas à la tête. Oh là là, voilà, il est coincé. Voilà, je vais décoincer mon pote. Voilà, c'est bon. Tu viens de tuer, voilà. Oh là, ça va être le carnage, je comprends, mon gars. Genre, ça lui fait rien. Voilà. À tutti. Du coup, on a débloqué 3 coffres. Mais c'est le top. Allez hop, des petits coffres précieux. Oh là, mais c'est jackpot, les gars. C'est le jackpot. Et là, nous avons. Ah, mais putain, elle était juste là. J'avais pas vu. Ok. Ok, les gars. Il me reste combien encore à prendre? Ah, il y a un truc. Ah, yes! Encore. Putain, mais on ne trouve que des trucs là. De fou, t'as gagné plein de points, je pense. Je pense que t'as gagné pas mal de points. On va faire au cas où au-dessus. Oui. Oh, mon dieu. Est-ce qu'il y a d'autres... autre chose là. Putain, encore un Géoculus. C'est précis ton truc, quoi. C'est précis de fou. Putain, je trouve plus de jus de putain avec des ailes papillons. Yes man. Ah, oh yes, okay. Oh, il est où l'autre? Je ne le vois pas. Ah, il est là. Ma femme. Putain, oh. Ah bah enfin. Chichi popo. N'importe quoi. Oh putain, mais il y a des lucioles et tout. Et je l'ai jamais vu. Hein. Ah,
À tout petit mec, à bientôt. Putain, mais par rapport à la dernière fois, il y a plus de trucs. Par contre, je sais pas si je me suis éloigné de la zone. On va revoir. On va revoir aussi. Je crois que je m'étais TP ici. On va aller là. Ça peut être pas mal. Bon, on change complètement de secteur. En plus, il nous en reste que deux, donc ça va, c'est tranquille. Je suis content, on a découvert en tout cas plein de fées. On a découvert des géoculus là. C'est le top. Juste pas que je me noie maintenant, moi. Mal. Wouhou! Ça va être tendu. Ouf! Mama. Ça, c'est quoi ça? Un chrono? Ok. Yes! Putain, j'ai traversé tout ça pour rien. Ça va, franchement, on s'est bien émerdé, je trouve. On va faire le tour cette fois. Mais on découvre trop de choses. Ah ça, je m'attendais à un truc de ouf, tu vois. Cette petite c'est tranquille, espèce de petite enfoiré de protocolinus. Ça t'apprendra à t'attaquer à petit. Du coup la petite fée là. Guidé par la roche. Ah bah nickel, en plus on a fait un petit défi là. Ça c'est bon. Putain, mais tous les coffres on trouve. Pierre de la pie. C'est des nodulites, je crois. Jade. Nautilu. Oh putain, mais il y en avait un là-bas. Est-ce que c'est le sud qu'on doit aller? Ouais, c'est au sud qu'on doit aller. Donc, nickel, on va aller par là-bas. Prendre le chemin. On va passer par en haut parce que. On va faire un bête de détour, je pense. Bon, là, il nous en reste deux. Là. Donc, c'est l'endroit le plus casse-couille à faire en fait. Yo que mite o qué?
Tiens, on découpe des trésors et tout. Ça c'est le top. Signe qui va bien, le petit trésor qui va bien aussi. Carré. C'est quoi ça? Oh, piment de Jiyu. On n'en voit pas souvent ça. Je prends parce que ça peut toujours servir. Les insignes de pierre, franchement. C'est bien à prendre les gars parce que pour améliorer Baidu, là, il va nous en falloir. Donc vaut mieux quand il y a des pieurs les faire. Des fois j'en cherche avec En plus on peut récupérer des coffres au passage. Moi ça me. Ah, rien du tout toi non. Allez, donne moi tes insignes. Voilà. Toi aussi. Voilà, hop, le petit coffre qui va bien. Et du coup on se rapproche de la petite comète hein. Juste là. Oh putain, il y a ça. Hein. Je sais pas si j'ai la clé du coup. On va voir ça. De toute façon, je pense qu'on va être sur cette montagne, mais on va passer sur celle-là. Le petit Venti, on escadra un tout petit peu moins. Normalement, on devrait avoir assez. Hein. Yes. Ah bah nickel, là il y en a 4 choux de plein. Ah non, dommage. Bah du coup il y a des pilleurs juste à côté donc parfait. Bonjour. Allez, plus que un fragment. Good. Passer par là, je pense que j'ai vu. Lui il va être je suis sûr sur un montagne. Plus. Là on peut y aller direct. Ça c'est bien quand t'as beaucoup d'endurance là. D'où l'importance des JO. JO plus. Bien ça. Le petit coffre est là.
La dernière, je crois, non? Il me semble en plus de tête. La dernière ou avant-dernière? Je crois que c'est la dernière. Ouais, nickel. Terminé, examiné. Ça, c'est bon. Hop. C'était facile. Du coup là il nous reste plus qu'une mission à faire là pour aujourd'hui. Et c'est celle-là. Juste là, je pense qu'on va aller juste ici là, ça peut être pas mal. En plus je crois que je suis pas beaucoup allé dans cette zone là de la map, donc du coup peut-être qu'il y aura des petits géoculus ou quoi. Ce qui pourrait nous arranger. Mais après du coup on pourra faire les petites missions quotidiennes, au moins ça redébloquera. Je pense qu'on passera à R33 du coup. Ah bah nickel, juste à côté. D'habitude, ça doit être toujours en haut. On va sur l'arbre. Là. Yahoo. Pas de surprise en haut. Non. Là, il y en a un. Ok. Bon, allez, on est là-bas. Je crois que là-bas, il y en a un dans l'arbre aussi. Pas sûr. Ah non, c'était une fleur de glace. Donc du coup, il est là-bas. Ah mais ça c'est bon, le petit coffre et normalement je crois que j'avais vu la météorite, voilà, juste là, parfait. Ah, le coffre au passage, nickel. Ça doit servir à un truc. Alors, quoi? Ah, il y a ça là-bas. Un petit gyro là. En fait, c'est bien parce que les quêtes événements, ça permet quand même de récupérer pas mal de. D'animaux. Donc, pour ceux qui font les événements, franchement, c'est une pierre deux coups. Même trois coups parce qu'on récupère des gemmes et tout. Et franchement. Moi, je vous conseille de le faire dès que vous pouvez. Là-bas, il est juste à droite. Le truc, c'est qu'il faut pas attarder à le faire. Hop.
c'est bon. Ah, c'est bien parce qu'il y a tout au sol. Ah, presque tout. Il vient foutre sa merde en fait. Cornes. Cornes lourdes. Ok, ça c'est bon. Ah, là-bas, je pense que ça doit être en haut, comme d'habitude. Bon, on a un peu de l'explosé. Techniquement, c'est moi qui ai la manette en main. Ok, un petit coffre en plus. On va récupérer pas mal de choses là. Et du coup, ça doit être en haut. Déjà, il clignote. Ça, et après, il y en a un encore là-bas, en haut. Au nord, voilà. Je sais pas si vous voyez. C'est vrai que je suis pas passé par là. Ah là-bas il y a une petite fée. Hop. Là ça doit être en haut. Okay. Bon, déjà on va faire ça là-bas. Plus. Putain, celui-là il est haut. Putain, ce rocher là. Au passage, allez. Ah bah nickel, il est même pas jusqu'en haut. Ah, c'est terminé. Là-bas, il y a un chrono aussi. C'était à quoi le vent techniquement? Ok, on va faire je pense le petit défi là et après peut-être qu'il tient pour le défi. Ouais.
faut ouvrir le coffre en abusienne. Aïe aïe aïe. Voilà, ça va être chaud. Ok, attendez, on va se rapprocher. Ah, c'est chaud. Hein. C'est chaud, c'est chaud. Ouh, putain, on était à une seconde. Au moins on l'a réussi. Du coup la fée elle est juste là. On va le faire de suite tant qu'on les a sous les yeux. Les choses. Non, après on oublie. Elle va monter. Nickel. Ça c'est bon, ça c'est fait. Là-bas il y a un autre truc. Si on peut monter, on sait jamais. Je crois que le tour est escaladé. On va récupérer, je pense aussi le commander dessus. On va récupérer la météorite. Passer, appuyer. On va récupérer la météorite. Hop. Ouais, mais il était là tout à l'heure. Un faux pas ou quoi? Oh, il y a un méga coffre en bas là. Ok, ça c'est bon. Putain, il est là. Je croyais que je l'avais perdu. Ok, ça c'est good. Je crois qu'il y avait un coffre pas trop mal. Ouais, juste là. C'est bien là. On a le regard vif. Ordinaire. Voilà. Du coup ça là on a fini les quêtes d'aujourd'hui pour l'événement c'est carré. Ok, résumé. Alors les victimes sortent de leur sommeil profond et la tension qui régnait s'apaise après que vous ayez disposé des météorites en compagnie de la princesse du châtiment. Reconnaissant ce que vous avez aidé, vous adresse leurs vœux et de réussite dans votre quête. Vous avez bien besoin car elle est loin d'être terminée. Ok. C'est bon. Pacte de la princesse. Boutique d'événements. Ah ouais, putain, il y a des. Y a une couronne là. Ça, par contre, je sais pas ce que c'est. Oh. J'aimerais bien l'avoir. On peut acheter des moiras et tout, franchement, c'est pas mal. Ouais, bah, de toute façon, on a tout fait, non? Là, il y a les quêtes. Ouais, on peut rien faire d'autre. Quelques délices on peut pas faire.
Ok, bon, on a fait pas mal de trucs là. Je suis content. On va voir le passe-bataille. Et on court, on court. Obtenez 12 étoiles en tout dans les profondeurs spiralées. Ok. Récupérer 18 écorces de météorites. 6 noyaux de météorites. Effectuer 50 vœux. Ok. On a quand même pas mal de choses à faire là pour aujourd'hui. Ça va être abusé. Oh. Alors, déjà, on va faire l'émission quotidienne, les amis. Déjà, on va faire celles qui sont sur les terres de mon stat. Déjà, je suis content. Là, tout l'événement, putain, c'est fait. On a gagné plein de primogèmes, là. On va pouvoir faire un petit vœu, je pense, tout à l'heure. En espérant avoir Tartaglia, franchement, au moins on fout un peu la rage à Itoshi. Oh. Si tu regardes ce replay, Itoshi, tu rigoleras avec moi. Allez, hop, ça c'est parti. Un petit pas pour les beaucoup. Eh oh, mais vous allez vous calmer là. Hein. Voilà, comme ça c'est bon. Ah là, ça va sortir sur le carnet. Voilà, ça c'est fait. Le gros. Voilà. La puissance des venti. Allez, ça c'est bon. Ah, tiens, on va faire celui-là là-bas, comme c'est juste à côté. Ça, je crois que ça rapporte pas mal de moras. Ça. Faire de ligne énergie. Deuxième vague là, pour voir là. Hop, allez, deuxième vague. Besoin d'une bonne correction, moi je te le dis, moi. Ta protection là, un petit peu casse-couille, on va pas se mentir. Voilà, allez, donne-moi un peu de bave, de nectar. Et voilà, c'est carré. Du coup, je crois qu'il y en avait un pas trop loin aussi. Ah, juste là. C'est droit devant.
Oh cool, une pomme de terre. Oh putain, je croyais que c'était une fée, mais c'est un pissenlit. On va prendre le petit Ventisa, ça nous évitera de escalader. Enfin, moins en tout cas. Pas du tout même. On va voir si j'ai une petite clé là. Voyons voir. Ouvrir. Oh oui, on en a beaucoup. Ça c'est le top. Voilà, c'est le top. Ça on aime. Ça, ça va rien là. Je vous le dis, il va pas s'en remettre de suite. Deux missions, hein, ça. Elle est où l'autre? On en a fait trois. Ah non, elle est là. On va faire celui-là. Au moins, on finit avec Mondstadt. Je pense que de toute façon, il va nous faire partir hors de la ville. On va voir. Ok, ok. Bon, explosif. Allez, dégagez. Le combo Noël Baidu là, franchement, c'est un des meilleurs. En tout cas avec les personnages que j'ai, bien sûr. Pour meilleur. Voilà, ça s'appelle de l'éclatax. Allez, normalement, il y a le reste qui doit arriver là. J'étais en train de récupérer une petite pomme là, hein. Je vais calmer là. L'autre là-bas, l'autre zouave. Il va essayer de nous congeler. Ça va pas la tête. Bah, il est une puissance venti quand il fait ça. Du coup, on est passé à R33. C'est nickel ça. Du coup, la dernière mission. Je sais pas ce que ça va être, mais je pense que.
Alors, soit on a de la chance et il faut donner un plat des gens ou des légumes ou quoi, j'en sais rien. Soit on n'a pas de chance et ils vont nous refaire sortir de mon stade. Je sais pas. Top, top. Par là. La limite d'un aventurier. C'est quoi tes limites? Pas de limite. C'est qui? Hoffman? Herman? Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il y a? Ma fille Elaine veut à tout prix intégrer l'ordre de Favonius et s'entraîne pour leur examen de sélection. Je voulais l'entraîner moi-même, mais elle ne me croit pas quand je lui raconte que j'ai été un aventurier. Il n'y a rien que je puisse faire pour le lui prouver non plus. Ça aurait été égoïste de ma part de continuer mes aventures avec une famille à nourrir. Effectivement. Son bonheur vaut toutes les aventures du monde. Ceci dit, j'ai toujours le cœur d'un aventurier. Je sais toujours de quoi je parle. Un jour, je me rappelle avoir vu des Brutocolinus utiliser des mannequins en bois pour s'entraîner au combat. Ils avaient l'air très robustes. Je pense que ça serait idéal pour Hélène. Vous pourriez aller m'en chercher un dans le respect du code des aventuriers. Je vous donnerai bien évidemment quelque chose en échange. Pas de problème, ce ne sont que des Brutocolinus. Vous pouvez vous débrouiller tout seul. Pas de problème. J'aime les gens pleins de fraîcheur comme vous. Vous me rappelez ma jeunesse. Je plaisante. Allez-y, par pitié. Ok, bon, on va se taper contre des plus gros. Ça a combien de mètres? Ouh, trop de chemin à faire, trop de chemin à faire. On va prendre là. C'est juste à côté. Ah là là, mais alors lui, il n'est pas courageux du tout, moi je vous le dis. Alors, juste là, c'est des chasseurs là-bas, on ne veut pas laisser vadrouiller en liberté. Ah putain, mais c'est un événement. Équipe de chasse. Ah, il y a des petits steaks. Voilà. Il est remonté de l'autre côté. Ça c'est bon, événement terminé. Du coup, je devais faire quoi là? Je vais aller là-bas non? Ouh, mais là il y a des beaux diamants là, des beaux. Nouveau éclat de magique, éclat de cristal magique. C'est trop important à prendre. Je pense pour la suite. Parfait. Allez, on va s'attaquer au Brutocolinus. C'était rapide. Parlez-en à Herman. Dégage. Tu peux te graines de blé. Allez, on va parler à Herman. Au moins, on aura fini ça. Point TP. Et après, je peux pas faire la quête. Parce qu'elle est niveau 35, la quête d'histoire. Il faut être AR35.
Du coup, on va faire les petites quêtes d'à côté, hein, tranquillement. Tranquillement. Voilà, je suis Herman. Herman Tensei. Oh shit. Escalader, bah, on vole, hein. Allez, vous avez trouvé le mannequin en bois? Oui, mais... Ah, vous n'y êtes vraiment pas les mains mortes. Je ne sais pas comment vous avez fait pour le casser. On ne retire pas ses coups dans le feu de l'action, je suppose. Je ne pourrais pas le donner à Hélène dans cet état, mais je peux le réparer au moins. Voilà, j'ai terminé de le rafistoler. C'est pas trop mal, non? Merci beaucoup. Voici votre récompense bien méritée. Oh, pourquoi ça coupe à chaque fois? Un aventurier peut partir à la retraite, mais il respecte toujours le code. Ça se tient. Nickel. C'est carré, ça. On va voir s'il y a des petites missions de réputation. On peut gagner des ailes en plus. Je suis loin, loin, loin. Oh, c'est vous, Lord of Avenus, manque de bras, c'est. Est-ce que vous aurez le temps de nous aider un peu? Ah oui, putain, c'est vrai qu'il y a des missions de... Je sais plus si c'est par semaine ou par, par jour. Ok, donner 3 graines de pissenlit à Connor. Connor du domaine de l'aurore a besoin de 3% de graines de pissenlit. On va faire ça, ça en plus on les a déjà. Déjà... On va aller juste valider les missions. Valider les missions quotidiennes. Au moins ça c'est fait. On va les remettre en exploration les autres. Les personnes que j'utilise pas. Alors, expédition. On va les remettre. Voilà la petite Lisa. Oh merde, je suis trompé. La petite sucrose. Petite Barbara. Merde. Shit! Hostasi. Et la Xending. Tiens, je me suis trompé. C'est pas grave. Récompense quotidienne. Merci pour ton travail. Y a pas de problème. Et le niveau d'aventure, bien évidemment. Ça, ça fait plaisir. Et là, on est bien. Ok, ça c'est bon. Je crois qu'il y a... ah non, c'était dans les messages. Dans les messages, vous avez un autre événement. Non, vous avez reçu un message de Paimon. Et du coup, ça, faut le faire de temps en temps aussi. Ça peut vous rapporter des moras et des primogèmes. Vous voyez, hop, c'est facile à faire. Hein. Hop, on récupère ça. Voilà, c'est carré. Là, normalement, on récupère. Voilà. Et maintenant, je sais pas si on peut en refaire une. Confirmer. Après, vous voyez, vous avez donc les moras, les primogèmes. Et à la fin, franchement, ça vaut le coup, quoi. Si on a tout débloqué, franchement, ça vaut vraiment le coup de tout faire. Du coup, bon, faut qu'on aille. Je crois que c'est vers chez Diluc. Ouais, je suis trop fort. On va aller là. Au moins, en même temps, on donne les Anémoculus. Il faudrait que je donne les Géoculus aussi à l'autre dieu. Statue de, du dieu. Du dieu Géo.
Matériaux d'amélioration de personnage. Non, on va passer. Bonjour Monsieur Connor, bienvenue au domaine de l'horreur, vous êtes là pour une visite. Monsieur Connor, les graines de pissenlit. Je suppose que vous avez vu mon annonce, vous avez trouvé les graines de pissenlit, les voilà. Ça va pour l'instant. Voilà. Parfait, ces graines devraient me durer un moment, prenez ceci en guise de remerciement pour vos services. Allez, ça c'est bon, on retourne à mon stade, on va refaire l'autre mission. Ok, allez hop. Un petit peu de réputation en plus. Celle-là, hop, Jack le viril. En fait, c'est les mêmes missions à chaque fois, quoi. Ça, c'est dommage. Je sais pas si j'ai validé des quêtes. Non, c'est dommage ça. Exploration. Il y a des petites primes et tout. Ça aussi, on va faire. Hop. Allez, brochette à Chuck. Ces brochettes. Là. Mieux. C'est par là, je pense. J'ai dit je donnais à l'animoculus mais j'avais zappé tout à l'heure. Alors, faire une offrande, il y en a combien là? 8. Oh, ça c'est cool ça. 208 à 216. Augmenter de 8, c'est top. Je me demande combien il y a de niveaux à la statue. 10 ou plus. C'est ok. Petit coffre de famille là-bas. Là. Oh shit, ouais, c'était sûr. Il est où le Jacko le viril là? Les cuisses de poulet, je crois. Brochette de poulet. Hein. Je sais pas si j'en ai. Ah, ça va, il y en a. On va pas le relire à chaque fois. Hein. Oh, qu'est-ce que vous voulez? Je n'ai pas le temps à accorder aux étrangers. Zarlevich, je vous jure, il va falloir que j'attende combien de temps encore? Qu'y a-t-il?
Les démons dans la gorge, paraît-il, et les chevaliers de noir interdisent à quiconque d'y pénaler. Comme quoi, c'est trop dangereux. Ça fait un moment que j'attends et on ne peut toujours pas passer. C'est donc à ça la fameuse efficacité de l'ordre de Favonius. Chapeau. Mais t'es un aventurier, non? Alors il ne reste. Alors ne reste pas là à rien faire. Va vite nettoyer tout ça que je puisse enfin passer. Oh, rien. Je sais pas si ça va débloquer la mission. Je vais faire ça pour rien. On va voir vite le monstre. Prime en même temps. Bon, on valide ça en même temps. C'est carré. Elle n'a pas peur d'éléments pire ou peut-être qu'elle a. J'ai pas eu le temps de lire. J'entends dire que la cible peut infliger un tas destructif. Alors soit prudent. Ok. Là-bas, la petite fleur là, la petite fleur, je suppose. Ah ouh. Ah, en plus dans la flotte là, avec Baidu. Oh, il est le steak, moi je vous dis. On pouvait pas récupérer le tapis. C'était chaud. Après, quand il fait cette attaque là, c'est trop mal. Ouais, nickel. Allez hop, donc là on a fait deux missions en une, là c'est top.
Les petits points de téléportation. Donc, là, on récupère la prime et la mission, la quête. Donc, c'est nickel. Alors, hop. On n'a plus du tout de vie. Ça, c'est clair et net. C'est bon, tu réapparais. Putain, les bugs. Incroyable, par contre. Alors, la réputation, s'il vous plaît. Oui. Récompense de réputation. Non, je vais juste récupérer. Voilà. Parfait. La même et la troisième quête Brooke. Shit. Et elle est là. Donc, la dernière fois j'avais mis deux fois le même monstre pour la prime, mais il était invincible le truc, oh, c'était incroyable. Donc, je sais pas si c'était fait exprès. Du coup, alors faut aller là-bas. Bonjour, Brooke. Votre enquête avance, je suis certain que vous arrivez à résoudre cette affaire. Les victimes seront sûrement affamées à leur réveil. Je devais commencer à leur préparer à manger. La viande. Oh, vous venez pour mon annonce. Vous avez les 6 morceaux de viande avec vous? Oui, ils sont là. Ah oui, il y en a beaucoup. Effectivement. Allez, remettre. Eh bien, vous allez pour vous procurer de bonnes pièces. Merci pour votre aide. Tenez pour la peine. Revenez quand je vous aurai terminé avec mes expériences. Vous serez le premier à goûter à mes nouveaux plats. Parfait, parfait. Bon, déjà, on a fini... les quêtes de réputation, on va faire le monstre si on y arrive. Temple du loup. Parce que la dernière fois, franchement, il était impossible à battre. C'était abusé. Ouh, déjà il y a un petit coffre là, ça fait plaisir. Ok, déjà là-bas il y a la petite fleur surprenante. On va récupérer de la vie parce que ça ne finira pas. Très fort, les attaques Odin Air sont totalement inefficaces. Ouais, putain. Ça va être chaud. Les moteurs sont particulièrement efficaces apparemment.
Ah, c'est là. Tiens, c'était juste là. Examiner. J'entends dire que cette cible ne craint pas les attaques physiques. Il faudra donc. Alors, ça va être horrible. C'est chaud quand même. Là, il n'y a pas Venti, je suis mort. Hein. Pas qu'il meurt. Il y a du temps. Bon, c'est chaud là. Franchement, c'est tendu. Hein. Oh là là. Et en plus, s'ils en mettent une couche, les autres. Hein. Récupérer la vie au moins. Ouh.
là c'est bon. Oh putain, on l'a eu. Ouf. Ah, je suis content là. Putain, je l'avais pas eu la dernière fois. Du coup, on a fait les deux trucs, je crois, les deux missions, non? On a fait les deux missions, je crois. Oui, c'était la viande. Ok, ok, ok. Le top. Là, c'est le feu. Le feu, les amis. Ok, ok. Allez, on va là-bas. On valide tout ça. Et on voit ce qu'il nous reste à faire. Chaque fois, elle est jamais là. alors. La petite prime, s'il vous plaît. Terminer récompense réputation. Ouais. Yes. On va faire ça, hein. Oh, je voulais récupérer mon truc. Réduction, c'est chez les marchands de mon stade. Débloqué, putain, c'est le top. Bon, on est à la moitié. Alors, qu'est-ce qu'elle nous raconte, Paimon? On a fini la mission là. Ça fait 10 minutes largement. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Lors de vos emplettes, vous arrivez dans un magasin, mais les prix sont nettement supérieurs à ce qui était prévu. Vous décidez d'essayer de négocier. Ouais. Négocier. Ça, j'avais déjà lu la dernière fois. Oh, on a un nouveau thème. Oh, le top. C'est joli, ça. On a validé quand même pas mal de choses. Il y a des potes connectés ou pas? Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors, du coup, nous allons faire la petite quête. Qu'est-ce que nous avons? Ah, des blocages d'histoire. Ah ouais, récupérer les clés. Putain, je suis au max. Faut que je me grouille de faire les mon AR 34 là parce que sinon je vais perdre des clés. Ça, là-bas il y a le passe bataille, qu'est-ce qu'il a? Ok. Je peux pas améliorer des persos ou quoi non? Alors, et le. Oh, il m'en manque juste un masque. Un masque, ok, normalement. Moi je peux l'augmenter là, le jus du game. Synthétisons. C'est masque sinistre. Parce que ça, sélectionner un personnage, sucrose. Il en faut juste un. Voilà. Normalement, on peut améliorer le jus de jus là. Puissance maximale. Ok, donc ça c'est bon, niveau supérieur. Noël, qu'est-ce qui lui manque? Oh, il manque 12 masques ça. Et un de hypostase. Ok, ok. Est-ce que j'ai les 12 masques? Parce que je
pour fabriquer, mais je sais que il en faut 3 pour en faire un, donc masque sale. Ok, la sucrose elle est là, on va mettre le maximal. Maximal, putain, il en manquera un. Ok. Ah putain, il manque un et un. Ok, donc ça c'est bon, on va dire que c'est presque bon. Là-bas, il doit aller augmenter. Et après les armes, qu'est-ce qu'on a en armes? On va remplacer, c'est renforcé. Raffiné. Est-ce que j'ai du matériel? Non. Ça, c'est quand? Le lundi et le jeudi, mais c'est parfait ça. On va y aller. Au moins, on peut l'augmenter. Donjon indisponible. On est quoi là? Ah putain, mais non, on est mardi les gens. Mama. Ok, ok. Renforcé. Lui, c'est quoi? Il manque que ça. Merde. Le mercredi et le samedi. Ok, déjà pas bonjour. C'est demain. Ensuite. Ça, c'est lundi, jeudi. Ok. Lundi, jeudi. Et lui, c'est le mardi et le vendredi. Mais c'est nickel. Ok, ça, c'est où? Électro. Bon, ça, ok. Attirailleur. Ou la synthèse. bah, on va faire ce donjon-là. Il est juste là. On, il nous en faut deux. Donc, normalement, si je fais un donjon, s'ils sont sympas, j'ai les deux directs. Ce qui serait plutôt sympathique. On fait ça et je pense après on va finir. Au moins j'améliore l'arme pour la prochaine fois. Alors le petit donjon des familles. Hop. Et ensuite on a quoi comme niveau? Niveau requis 59. Ouh, ça peut être pas mal ça. Défi multijoueur je pense. Je vais faire ça. Ça peut être bien. Élément recommandé, Pyro Cryo. Manquant dans votre équipe actuelle. Ok, l'électricité. Il faut pas Baidu. Je pense que je vais prendre Noël. Je pense. Okay. Élixir d'or brumeux, c'est top ça. Ah ouais, si je peux avoir les trois là. Oh, et putain, après il y en a encore un. Élixir de primordialité de la brume volée. Ouais, on est plutôt bien. On est plutôt pas mal. Moi, je vais prendre Venti, je pense. Ouais, ça peut faire des méga dégâts, là. Ouais. Là, on est bien. Là. On a une bonne équipe, là. Avec Diluc et la glace, là. Pyro Cryo. Bon, avec Venti, je fais un truc de ouf, là. Et au moins, ça fait des dégâts de ouf. Ça fait beaucoup de ouf, mais bon... Allez, on est parti les amis. Ah oui, ils sont sur PC. Music,
Voilà là les dégâts. Voilà là, magnifique. Ah le vent là. On va tellement vite là. On a une équipe de ouf. On a une équipe de ouf les gens. Dean qui est et Kaya là. Oh le steak. Ça envoie le steak, oh, le venti, franchement c'est un des meilleurs. Abusé. Ça te fout un combo. On a déboîté le truc. Facile. Putain, j'ai galéré à le trouver quand même. On va le refaire, hein, s'ils veulent encore. Et re, mon cher Morgalex. Oh putain, t'as raté un truc dans le donjon, là. Pff, on l'a défoncé. Malheur. Du coup, je me tâte à faire Andros avec eux, là, vite fait. Je sais pas, ça dépend s'ils ont quitté ou pas. Et cette fois, je peux mettre le son. Oh là là, mama. Juste à la fin, mec. On arrive vers la fin, en plus. Hein. Au moins, tu es là. Présent, avec le son. C'est plus facile à parler, au moins. Du coup, je sais pas si je refais encore une fois le donjon avec eux, ou si je me tâte à leur faire Andros. Message dans le lieu. Boss Andros. Soul pas tu stream jusqu'à midi au moins. Ah oui oui jusqu'à midi mec. T'inquiète mec. Je sais pas s'ils vont me suivre, on va voir. Eux, ils doivent déjà avoir le téléchargement et tout, ils doivent déjà être là-bas. C'est... Tu le vois, ceux qui sont en PC et ceux qui sont sur la Play. Demain, c'est la fin de mon mois de sub. Oh putain. Oh, oh tu sais que ça passe trop vite, hein, quand même. Incroyable. Tu te dis que...
play quoi? De la mage 1.1. Je sais pas comment parler moi de ça. Je suis pas English les guys. Je sais même pas comment on dit suivez-moi les gars. tu joues à des jeux PC? Non. Pas de jeux PC mec. Je crois qu'il y en a un qui est parti. S'ils sont tous partis du coup. Ouais. Dommage. Follow me. Follow me. Non mais genre suivez-moi jusqu'au boss, mais ils avaient pas envie. Du coup, on s'est pas compris quoi. Je pense que je vais faire Tartaglia. Comme c'est une bannière d'événements, événements. Ça c'est permanent donc du coup je pense que je vais faire ça. Oh les gars là, il me faut le Tartaglia là, moi je vous le dis. Ouais. Ouais. Alors déjà on a un arc. Ça commence mal. Bah déjà, Baidu, oh putain on peut l'augmenter les gars, mais ça c'est le top. Oh putain y'a Jiangling, je veux pas être Jiangling. Je crois qu'on est mort. Putain, oh. Dommage. On n'a pas le Tartaglia. Bon, au moins, il y a la Baidu, tu vois. Fais chier de merde. Il n'y en a plus, il n'y en a plus assez. Du coup, personnage. Fais chier. Je suis dégoûté. Alors, constellation. Flow des monstres marins. Alors, l'activation de Flow monstres marins confère des effets suivants. Génère un bouclier qui absorbe une quantité de dégâts équivalent à 16% des PV max et dure 15 secondes. Mama. Ça c'est bon. Appareil, constellation. Résistance pyro des types touchés par le goba est réduite de 15% pendant 60 secondes. Et la deuxième constellation, le dernier coup d'attaque. D'attaque normale inflige pendant 2 secondes un effet d'implosion aux ennemis. Ils explosent infligeant des dégâts pyro. Putain, ça déboîte. Allez, maintenant, bien Rocket ou Ghost. Non. Je dis, mec, je dis. Putain, je suis dégoûté. J'ai pas eu le Tartaglia. Ah putain, normalement. J'ai eu de quoi. Non! Ah mais non c'est... Attends, c'était qui? C'était Noël? Non c'était le jeu. Putain au con, j'aurais dû le refaire avec eux. Bon là on va full... Putain on avait trouvé une bonne équipe là. J'aurais dû faire deux, quelques fois là, deux trois fois là. C'est pas grave, on va le refaire. Ah ouais, parce que là, c'est chiant, il faut faire des donjons soit le mardi, soit le jeudi, soit le dimanche. Bon, au moins, ça permet de... Ils sont pas bêtes, parce que ça permet aux gens de les obliger à se connecter ce jour-là. Défi multijoueur. Oh non non, il arrête plus avec le Rocket. Attends, faut que je fasse ça parce que c'est disponible que le mardi, mec. Ok, défi multijoueur. Ouais. Oh yes, man. Voilà, on a du bon. Il y en a qui sont pas prêts.
Azela, Esther, Hollow Knight. Ok, on est good. Est-ce qu'ils vont être meilleurs que ceux de tout à l'heure? On va voir. De toute façon, les gens qui sont là, de toute façon, c'est pour améliorer leurs armes aussi, donc... Ça se trouve, ils vont rester encore après. Je ne sais pas. T'es en train de faire tes classes Rumbles. Mode au pouvoir. Et du coup ça change quoi dans le Ghost carnage en vue. Comment ça l'a réattiré dans le truc? Elle doit être dégoûtée. Ouais. C'est passé vite quand même quand on est en multi, ça fait des combos de malade. Et on n'a pas la comment ça s'appelle le délai entre les persos quand on change, donc du coup ça va tellement plus vite les combos, plus de dégâts, du coup la puissance bien évidemment. Je possède la puissance. Rumbles. Tu fais comme Chopper. Tony Chopper. Ok. Bon, bon, encore une fois. Allez. Oh, ça a bugué. Yeah.
Xiangling. Niveau 65. Ok. Pas mal, pas mal. On a une bonne équipe. En fait, je suis au niveau 50 et du coup, à côté, je suis un nul. Malheur. Après, c'est parce que normalement, c'est recommandé niveau 59, je crois, il me semble, de tête. Si on a bien vu tout à l'heure. Je suis dégoûté pour les vœux quand même. Bon, Baidu, franchement, c'est bien. Après, les autres... C'est donc la puissance, exactement, c'est la puissance. Elle peut rien faire. Hein. Elle en peut plus. Je crois qu'on est encore plus que tout à l'heure. Ok. Oh, excellent. Excellent d'orbrume et tout. On l'avait pas drop tout à l'heure, c'est nouveau, donc du coup, ça fait une autre petite pièce en avance pour la prochaine fois. C'est nickel. La glace peut être brisée avec des attaques puissantes pour annuler l'état de gel. Cependant, faites attention, ceci inflige des dégâts supplémentaires. Ok. On s'en souviendra. C'est vrai qu'il faut toujours qu'il y ait un genre de style de Venti. Pour faire un combo d'attaque et un soigneur. Et après deux DPS là. Et là, c'est le combo parfait. Putain, eux, je suis sûr qu'ils doivent attendre depuis 20 ans. Refaire. Bon, c'est vrai que c'est en rouge. Matchmaking. Il doit y avoir un milliard de gens là qui doivent vouloir le faire. Donc. Ça devrait pas poser de problème. Hein. Moi, je vous le dis. C'est bon. Oh, il y a Kiki. Santraves, Esther et Yacoub. Baidu, c'est pas bon, mec. Pour toi, mais du coup on va galérer, enfin, on va mettre plus de temps.
C'est dommage. Il connaissait. Il n'a pas lu le truc, je pense. Bon, il fera quand même des dégâts, mais ça va être amoindri quand même. Enfin, vraiment beaucoup amoindri. Heureusement que c'est moi le... le meneur de groupe, parce que comme ils sont toujours en avance, là ils auraient lancé. Voilà. Dégâts, mais c'est incroyable. Ça m'espante à chaque fois. Allez, meurs! Oh, les super conductions avec ça fait. Oh. Ma 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 ma. Ah yes, c'est l'extrait d'or brumeux encore une fois. Bon, je pense qu'on peut le faire encore une ou deux fois hein, si s'il se dépêche. Enfin, si même mon chargement il se dépêche là. Malheur, je vais être blindé de trucs. Hein. Ça va être le top. Le venti là, par contre, en multi, c'est un délire. C'est vraiment un délire. En fait, je pense en style d'archon, genre qu'il a dit que c'était un des plus faibles, mais quand il y a plusieurs, je pense que c'est un des meilleurs. Ah ouais, de fou. Territoire des loups. Il reste avec moi là. Il arrête de plus. Sans traverse. Ok. Il fait multijoueur. On va héberger 1 milliard de joueurs. Hop. Y a pas un autre qui rejoint là ou quoi? Sinon
pas comme ça. Hein. J'aurais dû le lancer après quand il y avait tout le monde qui avait rejoint. Ça irait un peu moins vite, je pense. Quoique après, avec Jungling et Kiki là. Après, avec Venti là. Je vais faire des combos de ouf. On va voir ce que ça va donner. Hein. Allez, c'est parti. Drop Sweet, il vient plus à tes lives. Drop Sweet, il vient que au Ghost, je crois. Au Ghost. À chaque fois que je le vois, il est au Ghost. J'aurais dû attendre la quatrième. Ouais, c'est plus facile là. Des combos et tout. Ok les guys. Ah ouais c'est trop bien ça. Le dernier live Ghost il est pas venu. C'était le samedi c'est ça. Ouais c'est vrai que généralement ils viennent le jeudi non. Je crois. Quoique. Il est pas venu samedi. Il me semblait. Là, tu vois. Ma mémoire me joue des tours mon cher Wargalex. Moi je vous le dis moi. Est-ce qu'on a le temps pour faire une dernière? Allez hop, le petit dernier, et après on quitte le mode en ligne là. Je sais pas s'il y a Kiki qui reste avec moi encore. Il est trop drôle. Putain, le chargement par contre des PC, comment ça se fait que c'est plus rapide? Ça a été optimisé, moi je dis.
Je sais pas. Ouais, je sais. Là, franchement, tu m'as posé la colle. Tu m'as posé la colle. Défi multijoueur. Ok. Tu es là? Je sais que t'es là, mec. Je sais, mon cher Borgalex. Borgalex Senpai. Yasser a rejoint le monde. Normalement, on est fou, non? Ah, oh, yes, nickel. Oh putain, c'est celle que je veux. Putain, elle est trop stylée. Au live des mardis et jeudi, il n'y a personne qui vient à tes lives. Ouais, après, c'est le matin. Et je crois que les gens, ils sont en cours. Les gens, ils sont en cours. Donc, du coup, je fais ça pour le plaisir, t'as vu? Mais il y a toujours mon cher Rogalex Senpai. Eh oui. C'est pour ça que t'es toujours premier. The first. The VIP, man. Et j'ai failli tomber dans le vide. Ça aurait été la honte. Ça aurait été la honte. Le seul vrai viewers. Putain, j'avoue que mec, tu viens tout le temps. C'est incroyable. Ça me donne de la force, t'as vu. Ça me donne de la puissance. Regarde ce que j'arrive à faire. Tu sais que c'est grâce à toi, ça. Voilà. Oh là 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 là. En fait, dès que je peux, parce que... Ah oui, c'est normal, hein. C'est dès que tu peux. Normal. Il y a des cours et tout à côté. Allez, zéro. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est bien les gens. Oh là là, mais les combos de ouf là qu'on voit. Ils se prennent la misère. Qu'est-ce qui se passe là? Tout à l'heure en termes c'était chaud. Ouais mais au moins ça me fait toujours le viewers, t'as vu. Toujours mon viewers ça. C'est grâce à toi. En plus on parlait du coup en mode clavier là. C'est un peu chaud. Voilà, c'est comme ça. On les éclate. Ça fait de l'éclatax. Oui. Bon, le petit Venti est en forme. Voilà, c'est bien. Mais oh, la vie qu'on en avait avec les gens là. Trop badass. Je crois qu'ils ont 10 niveaux de Pokémon en fait. De toute façon moi c'est que pour faire le lien entre tout. Avec tac tac. Tac elle débloque. Elle est trop cheatée. Et je suis THE Youverse. T'es LE Youverse. De la YouTube Family. Voilà. Oh, midi 1, j'ai dépassé mon gars. C'est ta faute ça. Non, je rigole. Allez hop, on va finir sur ça, les amis. Bon, du coup, je vais voir, ça fait bientôt un an que tu streams. Eh ouais, mec, un an bientôt là. Le mois prochain, là, ça fait un an. Mais c'était fait exprès, hein. J'ai dit, ouais, allez, je vais commencer en décembre, t'as vu, c'est Noël. Une pierre deux coups, t'as vu. Ouais, franchement, je sais pas pourquoi je m'étais motivé comme ça. J'ai dit, bon, allez, quitte à jouer, autant jouer des fois avec des gens, t'as vu. C'est le plaisir, t'as vu. C'est trop bien. Bon, est-ce que je peux améliorer mon arme? Normalement, avec tout le drop que j'ai eu, là, si j'arrive pas à améliorer mon arme,
Je vois pas ce qu'il faut faire de plus. Attends, d'abord, je vais leur dire ciao ciao. Attends, message rapide. Y a pas un truc facile à moi, ça va. C'est l'heure de manger. Trop facile. Alors, c'est pas l'équipe que je voulais. C'était l'amélioration de mes persos. Avant de déconnecter. Et du coup, si ça fait un an, toi ça fait 6 mois, t'es arrivé pile poil à mes 6 mois. C'est gavage quand même. Niveau supérieur, je crois que c'est de l'arme. Yes man. Ah ouais, mais on a largement... Oh putain, merde. Il faut ce truc là. Je suis dégoûté. Ouais. Contre l'arme de Venti, là, faut que je l'améliore. Ça, c'est le mercredi, c'est demain. Oh là là. Ah, niveau supérieur. Attends, déjà, on va l'augmenter, là, le Venti. Le pauvre, il demandait que ça depuis tout à l'heure. Voilà, comme ça, on est carré. Qu'est-ce qu'il nous faut pour l'améliorer? Ah, mais on a presque tout. On a presque tout, mais c'est nickel. Niveau d'aventure requis, 35. Ah, sinon, on peut pas l'améliorer. Ok. Nouvelle attitude, œil de la tempête. Oh, c'est quoi ce truc? Mucus de blob. Ensuite, ouais, Cecilia. Et morceau de turquoise, voyez-vous. Obtenu sur une hypostase animaux 60 ou la synthèse. Oh, ah ouais, ça rigole plus. Ça ne rigole plus après. On va voir la Baidu. Ouais, si je sais pas, j'en aurais pas assez. Oh là là, ça va être chaud. Ah, quoi que c'est faisable, hein, c'est faisable. Est-ce que c'est mieux ça? Ouais, non, c'est mieux. Ok, là on est bien. Et Baidu, il faut. Ça, c'est quoi ça de nouveau? Ah, Jeanne Nautilus, bon, ça c'est bon. Ça, c'est l'hypostase. Ok. Ça, c'est plus de 60. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Là. Ok. Et le juju. Ouais, mais là, ça va être chaud. Hein. Il me faut la Noël, là. Et il me faut ça. Faut que j'arrive à l'augmenter, là, avant le prochain niveau. Là. Il me faut l'hypostase Giro. Viens, Rocket. Mais là, mec. Oh, là, je suis en train de déborder. Je vais pas réussir à manger. Faut cache que j'y aille. Désolé mon cher Broca. Pour le prochain, faut que je fasse masque sale et le fragment de topaz. Ouais, ça, on est bon. Bon, normalement, les gens c'est parfait. Bah sur ce, les amis, bah, on a fait pas mal de choses là. Viens tout de suite. Non. On se retrouve jeudi, mon cher Borgalex. Jeudi sur du Ghost of Tsushima, donc si tu peux m'aider, c'est nickel. Sinon, je vais devoir me démerder tout seul avec quelqu'un en ligne. Sur ce, ben, je vous dis à bientôt. Et on se retrouve jeudi matin, donc vers 9h, entre 9h30 et 10h, comme d'habitude. Sur ce, je vous dis ciao, bye bye les gens, à bientôt.